En tout, 11 dossiers inscrits pour les audiences correctionnelles foraines. C'est un exercice qui permettra aux hommes et femmes en noir et blanc d'édifier les populations venues pour la circonstance. Les dispositions pertinentes de l'article 283 du Code de procédure pénale qui prévoit qu'en début d'année, le président du tribunal fixe un tableau qui organise les audiences correctionnelles, qui indique les dates et les lieux où ces audiences foraines doivent s'organiser. Et les audiences foraines, justement, ont cet objectif de rapprocher la justice des populations. Parmi les 11 affaires inscrites à l'ordre du jour, on note plusieurs dossiers qui proviennent de la commission des délits. Et ce sont ces affaires qui seront examinées tout à l'heure. Et nous espérons que les justiciables, les prévenus, tous les prévenus sont là, et également la population, pour venir s'informer des conditions, des circonstances relatives à la constitution de l'infraction pour une meilleure éducation de la population. Les dossiers délictuels, ce sont les dossiers qui proviennent des délits, puisque dans la nomenclature des infractions, il y a les contraventions, il y a des délits et au sommet, il y a des crimes. Donc, pour l'instant, nous allons examiner les délits. C'est pourquoi c'est une audience correctionnelle. Ici, un des objectifs visés par le parquet est d'instruire, éduquer et permettre aux populations de comprendre le fonctionnement de la justice et ses règles de procédure.